Papa, nous qui dans le ciel, yo, mes petits tuyaux baissés bien bas devant pour implorer assistance dans force prière alors que nous voulons commencer, Seigneur. C'est seulement avec l'Esprit Saint que nous allons commencer force prière à chaque fois que nous voulons commencer. Nous remercions pour bonté ou pour grâce infinie. Merci pour bonne journée et merci pour la santé, l'air et le mouvement. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, Seigneur. Pour protection à bas, nous, quel que soit côté nous. Nous demandons la bonté pour accompagner nous par ton Saint-Esprit, nos forces prières, avec le pardon de nos péchés. Nous prions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons commencer avec le numéro 455 des hymnes et louanges. J'ai mis sans son esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donnez-lui votre cœur. Chers amis, frères et sœurs, on a continué avec un événement des derniers jours, chapitre 7. Intitulé « Vivre à la campagne » et sous-titre « Loma Linda en Californie » par 110 et 111, paragraphe 367 à 371. Nous louons le Seigneur pour le bon sanatorium que nous avons à Paradise Valley, à 11 km de San Diego. Un sanatorium à Glendale, à 13 km de Los Angeles, et une propriété spacieuse et belle à Loma Linda, et à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles, et proche de Redlands, Riverside et San Bernardino. La propriété de Loma Linda est l'un des sites de sanatorium les plus magnifiques que j'ai jamais vus. Loma Linda est un endroit que le Seigneur a spécialement choisi comme centre de formation des missionnaires médicaux. Ce lieu présente de nombreux avantages pour une école. La ferme, le verger, les pâturages, les grandes constructions, l'espace, la beauté. Tous ces éléments constituent une grande bénédiction. Cet endroit, Loma Linda, présente de merveilleux avantages et si ceux qui sont là savent en profiter fidèlement pour devenir de vrais missionnaires médicaux, ils ne manqueront pas de faire briller la lumière sur ceux qui les entourent. Nous devons chercher Dieu quotidiennement afin que sa sagesse nous soit imparti. Nous rencontrons là des avantages décisifs pour établir un établissement scolaire et un sanatorium. Ce lieu présente des avantages pour les élèves et de très grands avantages pour les patients. Il m'a été montré que nous devrions y avoir une école conduite selon les principes des anciennes écoles de prophètes. Nos médecins y recevront leur formation. C'était, chers amis, frères et sœurs, événement des derniers jours. Merci. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, on continue avec le numéro 255. Que de larmes, que de chute dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes.
Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible et je dis à nous allons lire 1 Roi, chapitre 13, 14 et 15 avec nos sœurs Elsie Baolette et Livancia Loïsius. Mais avant de faire ça, chers amis, nous allons baisser tête légèrement et fermer les yeux sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui dans le ciel, nous baissons bien bas devant Majesté Auguste ou alors que nous allons ouvrir la Sainte Bible pour nous faire lecture de ta parole. Nous demandons pour parole, ça va toujours être dans nous-mêmes, quel que soit côté nous, à quel que soit l'âge que nous arrivons. Nous demandons tant prie pour tout le monde qui a dans les forces prières, qui a une belle parole, ça y est, inséré dans le cœur, pour les besoins, Seigneur, dans la mémoire, pour être capable de joindre, pour dire les écrits. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, nous remercions pour bonté, pour grâce infinie. Tant prie pour le Saint-Esprit, pour venir de nous dans le travail d'affaires. Et tant prie, pardonnez les péchés, nous disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 13. Voici 1 Roi, chapitre 13. L'autel de Bethel et la main de Jéroboam. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des rois, Dieu, qui brûle sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Par la parole de l'Éternel. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent.
L'homme de Dieu dit au roi, tant tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Quand cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Un prophète tué par un lion. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébenthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin
L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion. Il l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin. Et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre, le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrez dans le sépulcre où est entré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Or, elle s'accomplira la parole qu'il a crié, crierait de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Un roi, chapitre 14. La femme de Jéroboam et le prophète Achija. Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel. Et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir. Or, il avait les yeux fixés par suite
de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargée de t'annoncer des choses dures. Pas, dit à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur. Ne faisons que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleura. Pleurera. Tout Israël le pleurera. Et on l'entend Terra. Et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui ce soit trouver quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète.
mort de Jéroboam. Le reste des actions de Jéroboam. Comment il fit la guerre et comment il régna. Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans. Puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Le royaume de Juda sous Roboam, idolâtrie, évasion de Shishak, roi d'Égypte, mort de Roboam. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem. La ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom, sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite, et Abijan, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Abijam et Asa, roi de Juda, Nadab, Aïcha, Ela, Zimri, Omri, roi d'Israël. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit
aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz, le Hétien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Assa, son fils, régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Assa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaca, fille d'Abi Salom. Assa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de règne à Maaca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Assa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Assa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Amen. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Assa et Baïcha, roi d'Israël. Pendant toute leur vie, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il battit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Assa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel. Et les trésors de la maison du roi. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Hesson, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Assa lui fit dire, « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va. » Rompe ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hada écouta le roi Assa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il battit Ishon, Dan, Abel, Beth-Maaca, Tokenot, tout le pays de Nephtali. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirsa. Le roi Asa convoqua tout Juda sans exempter personne. Et ils emportèrent les pierres et les bois que Baasha employé à la construction de Rama. Et le roi Assa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah.
Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël. La seconde année d'Asa, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baïcha, fils d'Achija, de la maison d'Issacar, conspira contre lui. Et Baïcha le tua à Gibbethon, qui appartenait aux Philistins. Pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibbethon, Baïcha le fit périr la troisième année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole de l'Éternel que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo. À cause des péchés que Jéroboam avait commis, et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Et il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Baïcha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Amen. Amen, Amen. Un roi, chapitre 13. Laisse-moi. Ser Bayon nan profet li yo, ki te nan peyi Jida, lodan pou li monte la vil Betel. E li rive la vil Betel, Jeroboam te kampe bo l'otel la ap boule lansan. Dapre lot seye a te bali ya, profet la pale bien fort. E bay ne say sa sou l'otel la. Ou menm l'otel. Oui, ou menm l'otel. E sa seye a di. Dans la famille David, là, il y a un petit monde qui prend le fait, et après le Josias. L'abvini, là, prend tout prêtre qui a servi dans le cas ici d'Olio, prêtre qui a brûlé l'encens sous yo, la pouye yo sous ou. Le fini, sous ou encore, il a brûlé l'ossement moun. Même tout ça, pour faire la baye, yo signe. Lui dit comme ça, tout ça, après le son de bord. San di fe ki sou li ya, pal gaye tout a te ya. Le na we sa, ta pou ne se se ya men, ki pale nan bouch mwen. Le jo Jeroboam, tan de pa wol pou fet la, te di sou l'hotel Betel la,
Selon Gemel, en haut l'hôtel là, sous prophète là, il dit, comme ici. Mais il était logé sous prophète là, il était tout raide. Il n'a pas fait un mouvement avec elle encore. Là même, l'hôtel là était comme ça, il faut un débat. Et puis, Sandy fait quitter sous l'IA, gagner tout à terre. Jean prophète là, et dit ça, l'annoncé hier. Pour Jéhoboam, il prend la parole encore. Il dit prophète bon Dieu, comme ça, t'en prie. Après, il Seigneur, bon Dieu, ou là, pour moi. Mandel pour le guérir même. Prophète la prière, Seigneur, vrai. Et puis, mais, oua, guéri. Il vient j'en l'étayer en avant. Après ça, oua, dit prophète là, comme ça, on a la caille avec. Pas manger, et fini, à faire au cadeau qui choye. Prophète la répondre. On t'a mis ben moitié dans toute richesse ou yo, on va mettre prêt pied la caillou. On va manger pain, ni on va prêt de l'eau ici là. Parce que c'est te bam, te bam re lode, pou pa ni manger ni boire rien. T'es fini pou m pa prend même chemin, on était fini là. Boum, tourner la caillou. C'est comme ça, il prend une autre route pour tourner la caillou. Il part pour même chemin et prend l'étape venir la ville Bethel là. Prophète la ville Bethel là. N'entend ça, il y a un prophète qui te retient la ville Bethel. Il est grand mon en pile. Il est dans son lieu, vient raconter tout ça. Prophète bon Dieu qui fait jour ça la ville Bethel. À tout ça, il te dit ouais Jéhoboam. Prophète l'a demandé, yo qui route Petit garçon lui a montré le chemin pour faire le bon Dieu qui était sorti pays Jida, t'es prêt. Petit garçon lui a célébré le bourricli pour lui. Il a célébré le bourricli, il a monté sur lui. Il est parti derrière pour faire le bon Dieu. Il a rejoint Chita en bas, il a pêché. Chen, demandez, c'est vous-même pour faire le bon Dieu qui sorti pays Jida? Non, non, répond. C'est moi, oui. Il dit comme ça. On a la caille avec. On va manger qui choye. Mais pour faire pays Jida, dit non. On ne peut pas tourner avec vous. Ni on ne peut pas la caille. Le fini. On ne peut pas manger. On ne peut pas brûler rien avec vous ici. Là. Parce que c'est un bon l'ordre pour ne pas ni manger ni brûler rien avec vous ici. Là. Le fini pour ne pas prendre même chemin. Mwen te passé pour venir pour me tourner. Laisse ça, prophète dans ville Bethel là, dit même tout. Mais c'est un prophète tant pour c'est à même qui te voyer aux anges. Dieu vient dit pour me faire retourner la caille ensemble avec. Défini pour me ba ou manger, pour me ba ou boire. Mais c'est menti prophète la ville Bethel là, t'a bali. C'est comme ça, prophète pays Jida tourne la caille prophète Bethel là. Il mange, il boit à fel. Pote chita bot table là toujours. L'essayé a parlé à prophète Bethel là. Qui parle bien mauvais à prophète pays Jida. Il dit bien fort. C'est à dire ou, ou pas côté l'autre, il te ba ou. Ou pas fait ça, il te mande ou fait là. Au contraire, on tourne, on mange. Ou bien, le côté, il était bas ou l'ordre, ou pas faire ça. C'est peut-être ça, ou ap moui. De fini, ou pas enterré, à kavo famille ou. Là où il mange, prophète la ville Bethel là, c'est le bon prophète pays Jida pour lui. Prophète pays Jida parti. Il contre à yon lion, sous chemin li, yon pour yel. A David te blayi a teya, nan mi tan chemin. Pour yik la ak yon, te rete la bo kote. Mwen ki ta passe bo la ou de kadav la a teya nan chemin, ansam ak yon bo kote l. Yo rentre la vil Bethel, kote profet gran moun nan te rete ya, yo rakonte sa yo we. Le profet la atende sa, li di, se profet kan ki te désobéi l'od seye ya, te bali ya. Comme ça, c'est à vous et au lion attaquer
Yohan Krasil, qui touille, j'enseigne à te dire, la fête là. Il dit petit garçon, yo, c'est les bourriques là pour moi. C'est les bourriques, messieurs. Et c'est parti, il joue un cadavre pour faire pays Jida, non chez Atea, non chez Mea. Bourrique là, à Yohan, tempé, beaucoup tel toujours. Yohan, pas manger cadavre là, ni il pas fait bourrique là, rien. Au fait, la ville de tel là, ramasser cadavre là, il mettait sous bourrique là, et pour tel tourner la ville de tel. Il prend la peine pour lui, et fini, et enterré. Il mettait cadavre là, dans le caveau propre famille. Et même ensemble, avec petit garçon, il a crié pour lui, il a dit, oui, vraiment, voilà qui t'aime. Après l'enterrement, au fait là, parler avec petit garçon, il dit, yo, même à mourir, il a enterré dans le caveau ça. Il a mis des cadavres, moins collé-collé, avec cadavre par là. Alors, c'est y a te bali, l'autre dit, sous l'hôtel, la ville d'Étel là, et sous l'autre côté, il a fait service dans la ville Samario, qui est pour y vivre. Péché, tu oboram. Après tout bagage ça, yo, tu oboram, ou à Israël là, donne plus red dans le bagage, qui a fait. Il a choisi monde, dans le peuple là toujours, pour faire service prêt dans le temps il était bâti pour idoles. Depuis que le monde était flé, prêt, il était bâti pour pouvoir, pour lui, il était servi prêt dans le temps des idoles. C'est comme ça, toute famille Jéhoboam, nan la guerre croyant, n'a fait ça qui mal. C'est peut-être ça, toute famille ça, fini, il disparaît net sous la terre. Amen. Amen. Et au chapitre 14, petit Jéhoboam n'a mouri. Laissant Abijah, petit garçon roi Jéhoboam n'a tombé malade. Jéhoboam dit, madame, ni, habillez où yon chan pour personne pas reconnaître si madame mouye ou yé. Parti aller la ville Silo. C'est là prophète à qui j'ai prêté. C'est lui qui te dit, moi, t'as gouverner peuple Israël là. Ou après 10 pains, un gâteau avec un bocal sirop miel pour faire le cadeau. Ou va la Kaili, c'est un. Ça fait ou connaît ça qui pourrait arriver petit garçon noir. C'est comme ça, Madame Jéhoboam allait la Kaï à Kisha, la ville Silo. Kisha était grand mon en pile. Et pas de dans chez lui encore. C'est un fait à Kisha qu'on est Madame Jéhoboam à venir. Pour lui, pour petit garçon là qui est malade. Il te dit, le madame Jéhoboam vini, elle fait tête li passer pour un autre monde. Ou même, ou a dit, ça m'a mis dans bouche pour dire. Le madame Jéhoboam rivé, il fait tête li passer pour un autre monde vrai. Et, le a qui j'attendais, bribil a vini non. À porte là, il dit. André, non. Madame Jéhoboam, vous avez fait tête ou passer pour l'autre monde, comme ça. Tout le monde, il y a des mauvaises nouvelles pour vous. Allez, dit Jéhoboam, mais ça, c'est rien pour Dieu, peuple Israël, là, vous dites. Vous avez choisi où, dans le peuple là, vous mettez au chef sous peuple moyen, peuple Israël là. Vous mettez bas ton commandement. Non, mais mon famille David, yo, e ba ou li. Mais, pour pas tant que David, serviteur nan, qui te toujours coûté l'ordre de te bali, qui te marché à quel content dans le chemin de te bali, qui te fait ça, qui pour faire un plaisir assez, pour faire plus mal, assez ça qui te chef avant ou yo. Ou servir l'autre bon Dieu, ou faire espacer un cuivre pour yo, ou voyez me jeter, et me fâcher. C'est peut-être ça. Jéhoboam, je ne peux pas faire malheur tomber sur famille ou. Je ne peux pas trouver le dernier garçon dans la famille ou. Qui moun kou grand moun. Ma disparaître famille ou net dans le pays d'Israël.
y a balé yo, vous voyez, j'étais tant coup, yo j'étais poupou. Chien pour allemand, chien cadavre, moun, nan famille ou, il va mourir dans la vie. Mal fini, t'as un clou, va manger cadavre ça, il va mourir en dehors. C'est ça même, il dit ça. Ou même peut-être pas où, Madame Jéroboam, levez-nous, donnez la caille. Rivez ou arrivez la ville là, petite la mourir. Tout le monde, pays Israël, yo, va prendre la peine pour lui. Il y a intérêt dans toute famille Jéroboam. C'est lui-même assez. Il y a pas intérêt. Parce que dans toute famille, c'est lui-même assez. Il était inutile. Bon, non, j'essaie. Bon Dieu, peuple Israël, là. C'est après le mettre une autre loi pour gouverner peuple Israël, là. C'est lui-même qui va disparaître famille Jéroboam, là. C'est pour aujourd'hui, ah, oui, ça m'a dit là. C'est pour qu'on y a même. C'est après le pini, peuple Israël, là. Il va trembler tant coup, il est roseau. Il va trembler beaucoup en l'eau. Il va déchouquer peuple Israël, là, dans bon pays, qui était baïs en 7 jours. Il va gagner l'autre bord de la rivière, les fouettes. Parce qu'il fait CEA fâché. Et vous faites estati pour Zidol Astatea. C'est à pas là que peuple Israël là. Parce que Jéroboam, t'es fait tout pile péché. L'infini, il te porte peuple Israël là, fait ça qui mal tout. Madame Jéroboam parti, il tourne la ville d'Israël. Elle y fait ça, la rentrée, la Kaili, et c'est l'amour. Mon peuple Israël, yo, prend la peine pour petit plan. Yo, intérêt, yo, c'est à te dire ça dans la bouche prophète Akija. La mort, Jéroboam. Tout l'autre bagay, wa Jéroboam te fait, yo, l'histoire la guerre, il te fait, Aljan, il te gouverne le pays, ya. Là, je viens pour ça écrit dans le livre Histoire ou pays Israël. Jéroboam te wa pendant 22 ans. Elle est mourie, yo enterré, c'est Nadab, petit garçon là, qui montait sous fauteuil là, dans place. Roboram, wapé Jida. Roboram, petit garçon Salomon, te gué, tante, non, elle est venue, et Jida. Ni gouverné pendant 17 ans, la ville de Jérusalem. La ville CEA a été choisie dans tout le pays Israël là pour emplacement côté pour faire service pour l'IA. Maman Roboam, c'est mon la ville à moi. Et relé Nama. Mon pays Juda, yo fait ça qui mal dans GCEA. Yo fait plus mal dans ses ancêtres. C'est comme ça, yo, c'est la cause qu'on est CEA tombé sous yo. Yo même tout, yo bâti kay pour faire service pour idoles. De faire gros monument, wash à qui parti pour espater sous tête monde en bas gros pied bois. Ça qui pire toujours, et des femmes et garçons dans tout côté ça, yo, à faire chénesse dans le service aux idoles. Mon pays Juda, yo, t'es là, gué quoi, yo, n'a fait toute vie ma propriété. C'est à te mettre de yo dans le pays. Pour faire place pour le peuple Israël. Roboram de gué 5 ans depuis l'été roi, les chic-chacs, ou à pays l'Égypte là, attaquer la ville de Jérusalem. Il prend tout trésor qui était dans le temple là, à ton palais, roi. À ta groupe la protège en l'or Salomon, te fait yo. Roboram fait groupe la protège en cuivre pour mettre dans place yo. Le fini, li remet yo nan men chef gade ki ta fè ponsan nan portay kay wa. Chak fwa wa ta entre nan templan, chef gade yo pran gwo plak potej yo pote yo vin. Del ale yo pote yo toune nan sal gade la. Tout lot bagay wa ou boam te fè yo, nan jwen yo ekri nan liv histwa wa peyi jida yo. Pendant tout temps ça, c'était une la guerre sans rete entre Roboram et Jéroboam. Et Roboram mouri, yo enterré dans tombe famille dans la ville David là. Maman enterré le Nama.
C'est mon la ville Amon. C'est Abijam, petit garçon robot ramenant, qui était monté sous fauteuil là, dans la place papale. Amen. Et au chapitre 1, Abijam, ou pays Jida. Jéroboam a 18 ans depuis le Téwa, pays Israël. Les Abijam monté roi dans le pays Jida. Et gouverné la ville de Jérusalem pendant 3 ans. Maman enterré les Maka. C'était une petite fille à Salon. Abijam a la école, n'a fait même bagaille avec papal. Et pas service hier, bon Dieu l'IA a tout Kelly, Jean David dans cette IA t'es fait. Mais peut-être David, c'est un bon Dieu l'IA, c'est bail Abijam, mon petit garçon, peut-être pour jouer un monde dans la race, lui a gouverné la ville de Jérusalem après lui. Pour ça, la ville de Jérusalem va toujours rester campée. Seigneur te fait ça parce que David te toujours fait ça qui doit devant Seigneur. Pendant toute la ville, il n'y a pas de chambre désobéir aucun autre Seigneur. Si vous êtes, ça fait ouri, mon pays est là. Pendant toute la ville, Roboram, c'était la guerre sans arrêter entre Roboram et Jéroboam. Pourtant, il y a la guerre pour Abijam et Jéroboam. Tout l'autre bagaille Abijam te fait yo na joine yo écrit dans livre histoire wa pays Juda yo. Et Abijam mouri enterré dans la ville David là. C'est Asa petit garçon là qui monté sous fauteuil là dans place li. Asa wa pays Juda wa Jéroboam t'a marché sous 20 ans depuis l'état t'a gouverné pays Israël. Les Asa monté wa dans pays Juda. Il gouvernait pendant 41 ans la ville de Jérusalem. Maka, petite fille, Absalom, c'est grande. Asa, tu fais ça qui doit devant Seya, comme pour David, Zancet. Lui détruit le pays, il mettait tout garçon et toute femme qui t'a fait chénesse dans le cas ici d'Olio, dans le pays. Il était toute vieille idole, chef qui était là avant lui, il était fait. Li même rivé où était Maka grandi dans position maman la reine te bali dans pays ya parce que Maka te fait une vieille statue pour astater à sacraser statue ya li fait bouler dans son cédron malgré li pas rivé faire disparaître tout kaizi d'olio li même il était toujours servisé à toute Kelly pendant toute la vie. Li mette nan temple nan tout ça papal te bay pour servir bon Dieu ensemble à tout bagay en l'or à en argent li même li te bay pour bon Dieu contrat à ça avec Benadad. Pendant tout temps yo t'a gouverné chaque moun bon payo c'était yon la guerre sans arrêter en Asa ou à pays Juda à Bacha ou à pays Israël ou à Bacha envahi pays Juda, il prend la ville Rama, il plein soldats pâles pour empêcher le monde de passer entre sortir dans le pays Juda. Le roi a sa ou ça, il prend tout reste bagay en l'or, ak bagay en argent qui te rete dans le temple, dans le palais, il remet yo nan men kèk moun pâle, li voye yo la ville Damas, bon côté Benadad, ou pays Syrie. Petit garçon, Tabrimon. Petite, Ezion, ak mesay sa. An nou pase kontra yon ak lò. An kouzan set nou yo, te fè la. Men mwen voye bagay an lò, ak bagay an ajan, sa yo fè ou kado. Ou nye a, kase kontra ou pase ak Bacha wa pays Israël la. Kon sa, la bi je ou ete soldat li yo nan pays mwen. Wa Benadad dako, avec sa wa asa te voye di la, li voye chef la me li yo al atake la ville pays Israël yo. Yo pren la ville Lyon, la ville Dan, la ville Abel Bet Maka,
toute zone qui est tout près l'étang Galiléa. À toute portion des branches famille Nephtalia. Les bâches avaient comme ça. Qui était tout soldat qui était plein la ville Rama, d'aller la ville Tisra. Laissa, pour en ça faire les derniers mouns dans le pays Jida, pour être wash, à bois, pour bâche te fait empiler, pour renforcer Mirai dans la ville Rama. Pour en ça servir avec matériaux sa yo, pour renforcer Mirai dans la ville Mispa, avec la ville Geba, la portion de la branche famille Benjamin. Toute l'autre histoire ça, quoi à ça te fait yo, tout Jean il était un voyant garçon. Sous la ville il était bâti yo. A joint tout ça écrit dans livre histoire ou pays Juda yo. Mais l'elle commence grand monde, yo maladie nan pied rami et fim. Te a sa mouri, yo enterré dans tombe famille dans la ville David là. C'est Josaphat petit li. Qui montait sous fauteuil là dans place là. Nadab roi pays Israël. Quoi à ça te gain des ans depuis l'état gouverner pays Juda. Le Nadab petit garçon Jéroboam monté roi dans pays Israël qui gouverne pays là pendant 10 ans assez. Il fait ça qui mal dans Jésaïe là en coup papal. Il va marcher droit devant bon Dieu. Défini, il était la cause peuple a fait ça qui mal tout. Bacha, petit garçon Akija, la branche famille Issachar, monté un complot pour tuer Nadab. Laisse ça, Nadab acclamé Israël là, t'absenté la ville, depuis tout, le pays Philistin. C'est là, Bacha tuer Nadab. Ça arrivait la troisième année, Réoua à ça, le pays Juda. Et qu'on s'abacha monte wa, pays Israël, na place Adab. Rive li rive wa. Rive li rive wa, li touye denye moun na famille Jéroboam. Pon sa, d'après parole seye a, te mette nan bouche pour fè Akija, moun la vive silo, servite bon Dieu a, li touye tout moun na famille Jéroboam. Li pa kite yon chapi. Ça te rive consent parce que Jéroboam te fait ça qui mal. Et fini, il était la cause peuple là, fait ça qui mal tout. C'est pour ça qu'il te fait, c'est là, bon Dieu peuple Israël là, fâché sous lui. Tout l'autre bagaille Nadab te fait yo, la joigne yo écrit dans le livre histoire ou à pays Israël yo. C'était une guerre sans rete entre Asa ou à pays Juda, à Bacha, ou à pays Israël là. Pendant tout temps, nous avons gouverné. Chaque monde va pas yo, Bacha ou un pays Israël. Ou un Asa tap marché sous 3 ans depuis le tap gouverné pays Juda. Le Bacha, petit garçon, Akija, monte oua dans pays Israël, li gouverné pendant 24 ans dans la ville Tisa. Il fait ça qui mal devant CEA, en couche au Bora. Il pas marché droit devant bon Dieu. Il était la cause. Et la fête ça qui mal tout. Amen. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière. Et nous allons prier avec notre sœur Elsie Baoulette. Mais avant de faire ça, nous allons chanter. Viens, mon âme. Viens, mon âme. Te réclame. Quand c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour force prière. Merci Jésus. Chaque jour, nous venons demander où pour nos forces. Chaque jour, nous connaissons des gens qui attendent des prières. Des gens qui ont dépression. Des gens qui sont malades, qui souffrent. Des gens
qui a un problème, yo pas écouté pour yo fait. Eh bien, dans la prière, c'est le Seigneur seul nous capable de joindre force pour nous capable de marcher droit devant lui. Et nous demander lui pour nous force pour nous capable de suivre l'ordonnance pour ne pas tomber dans le problème. Parce que Seigneur, si que nous pas attendons ou dit nous c'est pour nous tendre, là dit nous pour nous faire une route, là dit nous pour nous pas faire, c'est pour nous tendre, Seigneur. Nous connaissons que nous attendons des prières nous chaque jour. Nous connaissons que nous lisons Bible chaque jour. Mais on seul bagage ou mandé nous pour nous suivre. Avec nous tous qui attendons des fausses prières. Fausse prière, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait force, mais c'est l'Éternel des armées. Amen. Force. Et nous besoin force là, chaque jour, pour ne pas décourager. Nous-mêmes qui avons des prières là, qui avons des lectures là, chaque jour, pas décourager. Et fait ça, bon Dieu dit fait. Parce que bon Dieu dit nous pour nous lire la Bible là. Et ça fait, nous venons lire chaque jour. Tant prie. Pas jeune ou force pour être capable de prendre la Bible, pour prier, pour lire la parole. Nous toute force, Ketli, Ivencia, Sœur René, Elsie. Et nous toutes, captant des forces, prier. Intelligence, sagesse, le Saint-Esprit, capable de diriger nous au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse vivre sa face sur nous. Qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire et la délivrance pour pays nous Haïti, pour peuple haïtien, victoire et la délivrance pour nous chaque famille qui la victoire et la délivrance pour chaque famille, chaque couple qui va attendre des fausses prières. Amen. Amen, amen, amen. Zanmi myo, fwè ak sè myo, pèp k'ap prepare pou siel la, konpatriyòt ayisyen nou yo. Mèsi enfiniman paske nou te pran tan pou priye e li la Bib nou avèk chanèl YouTube Fòs Priye. Pa bliye, priye bay pwisans, priye bay viktwar, priye bay pouvoar, priye bay fòs, priye aproche nou plu pre du kreatèr e priye se yon kle ki ouvri tout pòt e avèk fòs priye n'a pa akompli tout sa. Zanmi myo, fwè ayisyen kompatriyòt nou yo, nou pralè, men n'ap kite nou sou atansyon, afeksyon, direksyon e proteksyon. Papa nou ki nan siel la, le tout pwisan ki pa janm liye nou. Sou sa, zanmi myo, frèm sèm myo, n'ap di nou au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.